Saluti, moi c'est Kedisi Fred. Bienvenuti à tutti pour Kedisi. Non, c'est pourri. Désolé pour cette intro naze. Alors, salut, c'est Kedisi Meni. Et nous voilà sur les chroniques de Kedisi Freddy. Puis, les chroniques de Senzoro Firm. Alors, ces chroniques de Kedisi Freddy, je vais vous présenter Senzoro Firm en quelques missions délirantes. Alors là, je commence le jeu, mais j'ai pas encore trop joué donc. C'est normal si je me trompe dans les boutons. Alors la question que vous posez, pourquoi j'ai appelé ça Kedisi Freddy? Alors Kedisi Freddy, car tout le monde connaît Rokosi Freddy. Et Rokosi Freddy, il représente un peu porno. Donc ce jeu, il est beau et porno de cul. Et en plus de conneries, donc Roko représente en plus. Et en plus, ça parle de mafia, de gang. Et Roko, il est italien. Donc ça va nickel comme nom. De chronique, en plus ça rime avec Kenny, donc Kedisi Freddy, voilà. Voilà pourquoi Kedisi Freddy. Donc dans ce truc, je vais vous présenter un peu, faire quelques missions différentes. Pour l'instant, je connais pas trop le jeu, c'est ça que je suis un peu l'histoire, et on verra qu'est-ce qu'on va faire par la suite, voilà. En tout cas, là, j'ai déjà acheté le pénétrateur, je sais pas comment ça s'appelle. Attendez, je vais vous dire. C'est une sorte de top géante, voilà, j'adore cette top géante. Elle est aussi grande que celle de Kedisi Freddy. Eh oui, mon bonhomme. Ah, mon bonhomme, il ressemble un peu à Kedisi Freddy. Hein. Il est beau, il est fort. Puis il a une grosse top dans la main. Il a pas vu encore celle dans le futal, hein, parce qu'elle fait peur aussi. Bon, on y va. On va commencer cette mission chez les putes. Alors, hop, c'est parti. Là, en fait, je venais de commencer la mission. Et j'ai loupé avant la vidéo. En fait, c'est la deuxième fois que je reprends la vidéo. Car j'avais un peu loupé avant. Là, en fait, je suis en train de tuner mon bonhomme. Avant, j'étais en train de tuner ma caisse, mais je l'ai pas tuné car ça servait à rien. C'était pourri de la caisse qu'il y avait. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Ah, là, c'est les accessoires. Donc là, je suis en train de. Ah, d'accord. Là, vous pouvez avoir un triton. Un triton en Senzoro. N'importe quoi. Mais je veux pas de casquette. J'aime bien sa belle chevelure. Soyeuse. Il est beau, hein, mon bonhomme. Bon, des lunettes, peut-être pour se la péter, ça fait pas mal. Oh, tu sais, vilain. Attendez. Femme enfin, tout stylé. Yeah. Non, c'est pas, je te regarde ça, on dirait une mouche. Soleil de mouche. Oh là là, j'adore. J'adore les lunettes 3D, on dirait. C'est trop style. Je crois que je vais prendre les lunettes 3D. Oh, les aviators. De toute façon, il y a le choix. Oh, aviator fashion. Yeah, ah ça fait vraiment une tête à Rocco là, Rocco aussi, Kedisi Freddy, non. Ouais, ça fait vraiment gay quoi, ça fait, ouais ça fait vraiment acteur porno quoi, j'adore, je surkiffe. Ah la couleur secondaire va faire du rose bien sûr, ça fashion, ça va bien avec ma chemise surtout, allez rose. Voilà, oh c'est beau. C'est magnifique. Voilà. Nickel. Ah non, c'est pas ça. Ça, je voulais laisser noir en fait. Moi, je voulais changer, c'était les branches. C'est plus stylé. Attendez, on va choisir une couleur stylée. Voilà, noir. Non, ça le fait. La principale, c'est voilà, ça qu'il faut changer. Ça, on va mettre rose. C'est parti. Voilà. Oh, nickel. Je surkiffe. Yeah. Acheter. Ça, je suis obligé d'acheter. Et encore quoi, accessoire, bandana. Mais non, c'est moche. Ça fait pas classe. Haut du corps. Ouais, il est back. Oh, c'est beau ça. Un petit costume. Un biémi, ça s'appelle. Un blouson safari. Je vais pas faire du safari, moi. Allez, il y a quoi. Blouson d'hiver. Oh, un petit lasso, c'est mignon. C'est classe. Bon, on va faire vite fait. On va choisir. Voilà, on va choisir une gravette, ça va nickel, ça fait le beau gosse, voilà. Pas soutien-gorge en tout cas, pas. Pantalon, j'aime bien, ils sont assez stylés. Hein. On va voir bah, du corps, mais bon, là, c'est un truc plus stylé, un pants plus stylé. Non, mais celui que j'ai, il est pas mal. Oh, nickel, ça va, nickel avec. Comme ça, je suis tout coloré. Eh, c'est énorme. Bon, c'est bon, je pense qu'il est nickel. Tu vois, il est moche, en tout cas. Il est vilain, j'adore. Bon, on va quitter parce que je vais le tuner la prochaine fois. Je vais vous montrer juste un petit peu vite fait. Tu es les moches.
Ah là, c'est bon, on est allé dans le magasin de vêtements. Et on a un gang qui nous attaque. On va aller à coup de bite. Et bam. Ce que j'adore dans cette zone, c'est faire ça. Tac. C'est trop magnifique. Viens, un coup de bif dans la gueule. Je suis presque en train de mourir. Merde. Merde, je suis en train de presque en train de mourir. Attendez, faut que je me cache. Faut que je prenne une arme là. C'est plus du sérieux. Je sais plus comment je change pour prendre l'arme. Voilà. Prendre mon pistolet. Tu vois, il est baraque le type quoi, il veut pas crever. Crève. Putain, j'ai plus de balles ou quoi? Allez, allez, tiens. Putain, aïe, voilà, j'ai fait du snowboard. Putain, arrête, arrête, lâche-moi. Putain, je sais pas pourquoi ça change pas, voilà. Allez, là, c'est facile à tuer. Mais tu vas crever ou non? Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Échec, stealthboard, me voilà. Oh, c'est pourri là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai rien compris. Coup de bif. Tu l'abrutes. Attends, on va prendre. On arrête avec notre bif. On va prendre une mitraillette. Allez hop. Tu es le malade, il m'a écrasé. Tu il m'a écrasé nous. Non. Oh putain. Tu j'ai ramassé sec là en tout cas. Reviens à la vie. John, reviens à la vie. Je sais pas comment plaquer contre les murs en fait. Je sais pas trop jouer. Hein. Oh putain. Allez, tire. Y'a pas un viseur automatique. Vas-y, j'appuie sur X là. Oh. Tu vois comment je me fais défoncer. Ah. Il était. C'est un mutant ce type quoi. Vas-y. Merde. Ma défense est ma race en tout cas. En tout cas, j'ai plus de munitions mettons. Et je peux pas utiliser notre arme là. Attends. Voilà, un drone. Un drone. Je vais niquer avec un drone. Et bam. Meurtre par brutalité. Énorme. Je vais te tuer avec... Ranime mon pote. Il est où mon pote? Ah il est là. Il est en train de crever. J'y arrive. Je vais te faire du bouche à bouche. Voilà, je t'ai ranimé. Oh putain, c'est le carnage là. C'est le carnage. On rentre dans la planque. Yappa! C'est le carnage là, tout le monde qui veut me tuer. Ah! Bon, j'ai fini la mission. Là, il faut que je me casse. Parce qu'il y a tout le monde qui m'attaque. En fait, je sais pas si on peut se mettre à couvert. Si vous connaissez pas mal le jeu, dites-le moi comment me mettre à couvert. Je suis PS3. Car je sais pas comment me mettre à couvert. Désolé pour le petit décalage. Mais je découvre le jeu en 16ème fois que je joue. Je suis désolé. La prochaine fois que je ferai des vidéos, je vais jouer un peu plus ce week-end, en plus j'ai congé lundi. Je pense que je vais le faire. Et il me tire dessus ou quoi encore? Mais tu as ce trou de balle. Ah, elle est belle encore cette caisse. Hein. Il y a des plays gros mots. Attendez, on va les péter, on va plus rigoler là. Que dit avec... avec ses lunettes de... Attends. Ah merde. Mais moi je vais les... Moi je vais les tuer avec le... Avec ça, putain, je suis un ouf, moi. Viens, venez. Ils sont ces trous de balles. Allez, on vient là. À coup de buffle. Tac. Une prise de catch, ça, c'est beau. Allez, crève. Crève. Qui veut avoir un pénétrateur dans la gueule, encore. Allez, viens, toi aussi. Bam. Tuer les jouissifs, ce jeu. J'adore le pénétrateur.
tellement agile, tellement souple, c'est le pénétrateur. Tra. Bam dans la tête. Viens là, on sort des bifles. Des bifles. Qui veut encore une bifle? Qui veut? Toi, tu veux? Non, toi t'es mon pote. Merde, je me suis fait écraser. Il est où le point rouge là? Je cherche un point rouge. Il est où le gars qui est pas mort? Merde! Oh putain, comment je me suis fait cramer! Et les autres, ils arrivent ou quoi? Oh putain! Aide-moi, j'ai le cul en feu! Ah, il y a encore des gars là! Et bam! Crève! Oh putain! Je suis sûr, ça part en n'importe quoi, ça part en vrille! Bam! Voilà! Qui veut encore? Venez. Qui veut de gun dans sa face? Plus personne. Ça ne parle là. Allez. On peut défoncer une voiture avec un gun. On va tester. Oh putain, il est balèze. C'est pénétratoire quoi. C'est une arme de destruction massive, moi je vous le dis. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va sauter sur la dame. Allez, viens là. Viens là, je veux tes fesses, un coup de fesses. Ah non, merde, j'aurai la police bientôt. C'est pas drôle, c'est chiant, là, les policiers te suivent tout le temps. Il est fatigué, mon bonhomme. Il a vraiment l'air d'un gay, mon bonhomme, je vous jure, avec son pantalon turquoise. Oh, mais il est dégueulasse. C'est avec sa coupe des années 16. Il est énorme. Et on va à pied. On retourne à la planque à pied. Hop, il fait quoi, lui? Il fume? Viens là. Viens là, et bam. Ne faites jamais ça chez vous. Bon, j'arrête de faire le mongol. On va reprendre dans les classiques. C'est qui me tire dessus? Comme de Dieu. Ah, j'ai un coup de... Qu'est-ce que tu veux, flic de merde, là? Non, je suis désolé, je dis trop de vilains mots, là. Ça va pas. Ce jeu, il est pas bon, ça me... Non, je veux pas de mal. Viens là. Non, on va faire comme ça. Non, je veux pas de mal. Ouh, je veux pas de mal. Non, je veux faire du plaisir. Ouh. Allez, venez, goûtez au plaisir. Du pénétrateur. Je les connais trop. Ah, là, ça va. Là, on va la jouer à la Village People. Vous êtes prêts? Allez. Ah, un coup de Village People. Yeah, les flics, ils aiment les thèmes, j'ai honte, ils aiment un thème. Ah, ce premier épisode, ça part complètement en couille, moi, je vous dis. Bon, il faut que je retourne à la planque. Tu vois, on dit un asticot que je tiens dans la main, regardez comment ça bouge. C'est trop marrant. En plus, comment il a style, mon bonhomme, je vous jure, c'est... C'est vraiment Kenny Cifredi quoi. Y'a pas autre chose à dire. Bon, on continue. Tu peux te débarrasser de ta notoriété instantanément en te cachant dans une de tes propriétés. D'accord, donc on va se cacher. Ferme la porte. Non. Allez hop. C'est parti mon kiki. On va dans ma baraque. Ne regardez pas trop, j'ai pas fait le ménage. Terminé, voilà, j'ai terminé la première mission. Pourquoi il y a une meuf avec un gros sein et des... Ah non, je conseille. Complètement délire, je vous jure. Et voyez, ne regardez pas le bordel, c'est tout à fait normal. Donc, voilà. C'était le premier épisode de Kidissi Freddy et Chronique. J'espère que vous avez aimé. Bon, c'est une première. Moi, je jouerai plus longtemps ce week-end. Comme ça, je serai plus avancé. Et je maîtriserai mieux le personnage, désolé. Car là, c'est pas trop top. À part défoncer des personnes au pénétrateur, je fais pas grand chose. Donc, comme je disais, si vous avez des suggestions, des remarques ou des questions, n'hésitez pas à aller sur ma page Kiddy Mendy. Ça, le lien sera à la fin de la vidéo. Surtout, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et aussi, n'oubliez pas, si vous savez comment on se planque, potier, comment à la GTA, comment on se met à couvert, dites-le moi car j'ai essayé de trouver l'autre jour, j'ai pas trouvé du tout.
Donc n'hésitez pas à m'aider un peu. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo et ciao bonne!